En tous les cas, munissez-vous bien de votre petite huile végétale. Hello. Non. Voilà, ça marche. Mais non, mais j'ai cru que j'avais fait passer l'info, mais non. Voilà, bon, on y est. Ah, je suis ravie de... Bah, bienvenue. Merci. Bah, je suis ravie de faire ce live avec toi, surtout que j'ai hâte que tu nous montres des petits conseils pour se masser, s'automasser. Et je pense que, bah, vas-y, je t'en prie, présente-toi puisque tu es chez moi, entre guillemets. Eh ben écoute, en tout cas moi aussi je suis ravie de faire ce live avec toi. Donc je m'appelle Violaine, je suis thérapeute facialiste chez Simone. Donc je suis spécialisée vraiment dans le soin, le massage du visage et notamment aussi l'automassage que je pratique énormément et que je diffuse aussi sur les réseaux depuis un petit moment déjà. Ouais, par vidéo d'ailleurs. Ouais, merci. Bah écoute, j'adore aussi tes tutos. Moi, très honnêtement, je suis hyper contente parce que je suis une novice du face yoga et du coup, je suis hyper contente, bah voilà, de pouvoir échanger avec toi sur des pratiques. Trop bien, parfait. Bah, rapidement, donc moi je suis professeure de yoga et plus particulièrement de yoga du visage que j'ai découvert il y a de ça il y a pas hyper longtemps mais qui a été une révélation et je me suis dit que les pratiques cette pratique m'avait fait tellement de bien que j'ai cherché à me former, je me suis formée et du coup maintenant bah, je crée ces programmes en ligne qui sont accessibles à tous et à toutes sans limite d'âge et qui c'est un combo en fait. Bon, déjà c'est une prise de conscience de notre visage, des muscles qu'on a entre notre cou, notre visage et notre crâne, et de prendre conscience, bah, comme le corps, que si on ne le bouge pas, même si on le masse, à un moment, enfin, c'est physique, on perd du muscle. Et le fait de perdre du muscle, bah, ça affine le visage, ça fatigue, et du coup, la peau, bah, aussi devient plus ridée. On a moins de collagène, moins d'élastine, et le fait d'aller bah, activer le muscle, ça va lui donner du sang, de l'oxygène, et ça va donner ce glow. Et donc c'est hyper complémentaire à l'automassage. Sauf que c'est quelque chose, bah, c'est vrai que c'est cool parce que le yoga du visage, tu le fais, enfin t'as pas, c'est technique parce qu'il faut faire le bon mouvement pour pas justement traumatiser la peau. Mais après, c'est quelque chose qui est assez, qui fait aussi beaucoup de bien au mental. Bah, tu le sais, même l'automassage, quand tu te masses le visage, ça envoie des ondes hyper positives au cerveau, surtout que c'est près du cerveau, tout ce qui se passe ici. Donc, ça apaise hyper rapidement. Tout à fait, non. Et c'est moi aussi ce que j'ai envie de partager via l'automassage. C'est vraiment pour moi une pratique qui est holistique parce que même si parfois j'ai des personnes qui me disent, bah voilà, moi mon obsession c'est la ride du front et j'en ai rien à faire de me détendre, etc. Non, mais ça peut arriver. Mais en fait, quand je viens travailler, détendre une ride du front, bah, je détends aussi. Pourquoi on a des rides? Parce qu'on a des crispations, des tensions en fait qui viennent justement dans une zone particulière. Et la détendre, c'est détendre aussi cette tension, c'est relâcher aussi tout le corps. Donc je partage totalement ce point de vue global, holistique avec toi. Bon, bah écoute, je pense que tout le monde est prêt pour commencer. Et Cool, on on est tous commence là. par le yoga du visage et après on fait l'automassage. Ouais, je trouve que ce qui peut être sympa, si ça te va, c'est que tu montres, on peut faire par zone, tu vois, que tu montres un geste et moi ensuite, pas forcément la correspondance, mais un geste sur cette même zone, comme ça on alterne, c'est un peu plus Ouais, c'est souvent dynamique. ce que je fais dans les, enfin quand je fais des lives où souvent j'active et après je draine, enfin c'est comme si tu fais des squats, bah après tu t'étires parce que c'est, enfin c'est un peu pareil, c'est je mets ce parallèle avec les séances de HIIT, Voilà. sport. Ok, bah alors on va commencer dans un premier temps, on va fermer les yeux et se concentrer sur la respiration. On va sans forcer à contrôler rien du tout, simplement. Observer l'air qui rentre et qui sort par nos narines et se rendre compte que c'est quelque chose de inné et pourtant, par moments, on essaye de bloquer alors que ça a été notre premier, entre guillemets, geste sur Terre, le fait d'ouvrir nos poumons et d'apprécier
l'oxygène qui circule et qui ouvre un peu tout notre corps et qui donne justement la vie. Donc, simplement, et rien que ce geste-là d'observer le va-et-vient, ça, on relâchez vos mâchoires, relâchez la tension dans les tempes, sur votre front, entre vos sourcils, relâchez votre langue, observez les tensions s'il y en a dans les trapèzes et relâchez-la. On n'est pas pressé. Prenez le temps vraiment d'arriver. Soit vous êtes assis ou assis sur une chaise, soit vous êtes sur un tapis ou sur un coussin. On va inspirer, entrelacer les doigts, étirer les bras vers le ciel, les paumes de main vers le ciel en gardant bien les épaules bien basses. Et on va déposer nos mains derrière notre tête en support et on va pousser notre tête dans nos mains en ouvrant bien la poitrine, ouvrant bien le cœur et vraiment pousser les coudes de chaque côté. Parce que un visage qui est détendu et qui est équilibré, c'est aussi la posture, c'est hyper important. Et on a tendance à évidemment être sur nos ordinateurs ou nos téléphones, moi la première. Et le fait de faire tout le yoga du visage et tout ça me permet de prendre conscience et de me dire, hop, relève-toi. Et ça, c'est des mauvaises habitudes qu'on peut rapidement corriger. On inspire et on expire, on appuie avec sa main sur notre tête tout en gardant le dos bien droit et pour étirer l'arrière de la nuque. On maintient bien le dos droit et on n'écrase pas sa tête, mais on sent l'étirement dans la nuque. Et on inspire, on repousse la tête, entre dans nos mains. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. C'est peut-être vos premiers mouvements de la journée. Soyez bienveillants et soyez délicats et délicates. Et on expire, on appuie. On ramène un peu nos coudes, on n'encadre pas trop non plus notre tête, hein. On ne squeeze pas. Et on inspire, on revient, on relâche, on secoue. Et on va commencer à travailler donc le muscle du cou, le platysma. Et donc cette partie-là qui a tendance à être un peu comme enfin, saggy skin, je trouve que c'est bien, enfin, un peu qui tombe. Et donc, on va placer nos mains à la base du cou, maintenir un peu les épaules sont bien relâchées, le dos est bien droit. On inspire, on tourne la tête à droite, en gardant bien l'axe. Et là, on va pousser notre menton, on va sortir notre menton vers l'avant. Et on va tenir pendant 5, 4, 3, 2, 1, et on revient, on remet le menton à sa place et on revient au centre. Donc ça, on va travailler non seulement l'ovale du visage, détendre les masséters, et aussi travailler, bah, retendre cette partie-là. On change les mains pour équilibrer, on tourne la tête à gauche, et on pousse le menton pendant 5. 4, 3, 2, 1, on revient délicatement. Et dans cette posture, on essaie de ne pas engager, d'avoir conscience, parce que peut-être qu'on peut faire, tu sais, rapidement, on soulève les sourcils ou on fronce. Et là, vraiment prendre conscience qu'il n'y a que cette partie-là qui est engagée. On refait encore de chaque côté une fois, on inspire, on enroule bien les épaules, on tourne la tête à droite. Et on pousse le menton pendant 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et on revient au centre. Et une dernière fois, on change de main. On maintient, on tourne la tête et on est parti. 5, 4, 3, 2, 1, et on revient délicatement. À toi! Génial! Alors, moi, j'ai besoin d'un petit peu d'huile, donc je vous invite à prendre une huile si végétale, ce que vous avez. Si vous n'avez pas d'huile visage, vous pouvez très bien prendre une huile alimentaire bio. Si c'est par exemple de l'huile d'olive, c'est pas gênant du tout. Simplement, si c'est trop gras pour votre peau, vous retirez l'excédent à la fin de la séance, c'est tout. Okay. Voilà. Et ça peut pas Donc, faire on des a petits boutons parce que souvent on me demande les petits. Enfin, ça peut pas faire des petits boutons si certaines huiles. certaines huiles peuvent, mais pour le coup, l'huile d'olive, en général, non. C'est très bon pour la peau. Moi, j'aime bien l'utiliser aussi en huile démaquillante. Je la prends bio. C'est tout ça, en fait, il faut veiller à ça. Et après, on n'est pas obligé de la garder, en fait, sur la peau. Donc il faut un peu la salade quand même.
Voilà, on peut juste se... C'est vraiment pour si vous n'avez rien. Moi, là, aujourd'hui, je prends de la bourrache, qui est super comme huile. Si on a une tendance, par exemple, moi, je fais parfois de l'eczéma, des choses comme ça, des rougeurs, coupe rose, etc. C'est très, très bien. La rose, oui, c'est super. Je vois en commentaire. Ouais. C'est super. Donc, on la chauffe et on va l'appliquer tout doucement, délicatement, sans pression, de l'intérieur à l'extérieur. Pareil. Donc là, je mets aucune pression. Vraiment, l'idée, c'est juste de l'appliquer et sans la faire pénétrer, puisqu'on va en avoir besoin. Donc, on va aussi travailler la zone du cou. On va utiliser tout le plat de la main et on va avoir une pression modérée à forte. On va maintenir d'une main donc en dessous des clavicules pour bien maintenir la peau. Et avec le plat de la main, on va partir du haut des clavicules et on va remonter en fait jusque derrière l'oreille. Il y a un petit os, l'os mastoïde qui est là. Et on va vraiment derrière. Donc là, en fait, on lisse à la fois le muscle et en plus, on va venir aussi déjà un petit peu drainer aussi le Alors, sternocleidomastoïdien, exactement, qui passe ici. Il y a, comme tu disais, on est beaucoup sur les ordinateurs, les téléphones. Et en fait, ça, ce muscle-là, cette corde qu'on peut sentir, hein, qui est souvent tendue et parfois douloureuse, parce qu'en fait, on la sollicite beaucoup. Voire trop, c'est ce qui nous aide à maintenir la tête droite. Donc, dès qu'on est devant l'ordi, voilà, par exemple. Et du coup, il y a beaucoup de toxines. Tout ça, voilà. Tout ça peut être un peu douloureux. Donc, allez-y. Voilà, c'est pour ça que je dis médium à forte. Selon moi, c'est vrai que je le masse matin et soir. Donc, maintenant, je peux y aller un peu plus. Si c'est douloureux, ce n'est pas la peine d'aller trop fort. Et on fait de l'autre côté. On maintient pareil, au-dessus. Quel kiff. Et ça, en fait. Ça fait du bien et en plus, c'est très bien si vous êtes migraineux, si vous avez des soucis aussi de tension au niveau des mâchoires, en fait, de détendre ce muscle, ça va aussi permettre, hein, de travailler sur toute la zone mâchoire et aussi voilà, prévenir à de la prévention pour tout ce qui est maux de tête, même soucis de bruxisme et tout ça. Voilà, petit lissage du cou. Ah, oh, ça fait du bien. Ouais. Alors, quel kiff. Bon, alors, on va continuer. On va, bon, du coup, on va commencer par le bas et on remonte petit à petit. Et là, c'est un autre exercice que j'aime bien faire qui s'appelle hi-hi-hi. Donc, c'est pareil. Ça va engager. On reste autour du platysma, mais on va aussi travailler le rhizori qui est là, ce muscle-là. Et c'est prendre conscience qu'en fait, on a plusieurs sortes de sourires et que souvent, quand on sourit et qu'on est crispé, on sourit comme ça. Et là, du coup, ça crée bah, des traumas ici, des padoies, des cernes. Et l'idée, c'est d'apprendre à, comment dire, donner de la tonicité à ce muscle-là, cette partie-là, pour déjà éviter d'avoir des bajoux et bah, remonter les pommettes. Et c'est un exercice assez simple, mais qui, alors, et tout le monde n'a pas le même. Moi, quand je fais hi, ça Ah oui. engage tout là. Et il y en a Ah, moi d'autres qui aussi. n'arrivent pas. C'est simplement, donc on est, vous inquiétez pas, si vous voyez pas que ça bouge, c'est pas grave. C'est, on est tous différents. Mais le principal, c'est vraiment d'essayer de sentir qu'on sourit avec, en essayant de ramener son sourire au niveau des oreilles. Pas là-haut. Qui? Par haut, Non. horizontal. Voilà. Ici. OK? Et on va faire ça 5 fois. On fait hi-hi-hi 5 fois. On relâche et on fait ça 2 sets. OK? Donc les épaules sont bien en arrière. Pas de tension dans les trapèzes, pas de tension dans le front. Et on est parti, on inspire. Et hi, 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 une fois. hi, 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 2 fois. Hi, 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 3 fois. Hi, 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 4 fois. Hi, 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 5 fois. On observe juste que ça doit commencer peut-être à chauffer. Moi, ça me chauffe beaucoup parce que j'ai beaucoup de muscles ici. Mais ça doit chauffer un peu là et là. ça détend, moi, je trouve aussi la zone du menton. Ça détend le menton qui peut être un peu enlevé. Voilà. Ouais. Et le fait de vocaliser, j'insiste beaucoup sur le fait de vocaliser parce que ça émet, c'est comme chanter ou faire des mantras, ça décontracte et ça fait sortir en fait les mauvaises énergies. Et c'est pour ça que il faut pas hésiter à hi hi. Il y a même un exercice qu'on travaille et ça aide aussi avec la voix. C'est juste simplement de faire i a e o i e.
Ça, c'est hyper bien de le faire. Ça chauffe aussi tout le visage, surtout le bas du. On refait le hi-hi-hi. On inspire. Et on est parti. Hi-hi-hi. Une fois. Hi-hi-hi. Deux fois. Hi-hi-hi. Trois fois. Hi-hi-hi. Quatre fois. Hi-hi-hi. Cinq fois. Et on relâche. On ne fronce pas là. Ok, moi ça je trouve déjà pas mal. Donc en général, après, moi j'aime bien genre juste utiliser mes deux doigts comme ça et simplement lisser. Ça, c'est au coucher, le matin ou le soir, ça c'est ça relâche. Je te laisse. Écoute, moi je voudrais te proposer un petit geste tout simple pour travailler la zone dite du double menton. Moi, je sais que j'ai besoin vraiment de la travailler, mais on est un peu tous touchés, et de plus en plus aussi, notamment avec les smartphones. Ouais, oui. Et moi, je travaille. Voilà. En fait, la posture, comme tu le disais au début, c'est capital. Et effectivement, pour cette zone, donc je sais que toi, tu as plein de super exercices. Oui. ça, tu vois, je suis novice, mais j'ai vu celui avec la langue sur le palais. Génial. Oui. Donc là, on a travaillé avec la pulpe des doigts. Ouais. Donc, on met les mains, voilà, les doigts serrés entre eux. Et on va tout simplement venir à la pointe du menton. Et on va venir, en fait, je me mets de profil. Tout simplement, alors, on s'arrête avant la glotte. Hein, on ne se donne pas mal au cœur. J'étais en train d'appuyer, en train de dire, c'est ouf. Oui. Alors, on met une petite pression, mais on s'arrête. On peut sentir, vous pouvez, avant de commencer un peu tâter, voir un peu votre anatomie. Il y a un petit creux. Voilà, avant la glotte, et on s'arrête là. Et donc là, on peut carrément, alors soit vous utilisez une même main, ou sinon on fait des, on alterne. Et ça, vraiment, c'est hyper facile à faire. Ah. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de savoir se servir spécialement de ses mains. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal. Non, mais et ça non, fait... mais, on n'a pas. C'est ce qui est génial, c'est que on a vraiment le bien-être au bout de nos doigts, et que par moment, on... ah ouais, tiens, ça c'est. Et qu'il y a tellement de façons de se faire du bien, et ça ressemble pas, enfin, c'est pas un truc waouh, mais quand tu le fais, tu te dis waouh, c'est vraiment de le faire, c'est. Non, mais bien sûr. Ça fait vraiment du bien. Et en plus, on peut vraiment, alors après, devant votre miroir, vous pouvez venir aussi adapter. Moi, là, je reste surtout sur cette zone-là, qui est la plus critique, notamment chez moi. Mais, on peut, voilà, venir un peu personnaliser. Venir aussi un peu sur les côtés pour ramener un peu tout et c'est ce bien pourrait, en fait de le faire aussi vite parce que t'as la thyroïde qui est là et ça la chauffe aussi non ça non exactement un lissage comme ça pour justement et après on peut faire ça aussi moi c'est un lissage que je fais aussi très souvent tout simple où on passe à la fois on lisse effectivement ouais. Le cou et puis l'ovale ouais voilà. Ok. C'était le petit le menton. Ok, on va continuer et on va monter un petit peu. On va s'occuper de nos joues. Nos joues ou nos lèvres? Tu préfères quoi? Vas-y. Ah, bah moi, je veux bien les lèvres. Ok. Alors, on va faire un exercice qui va travailler donc non seulement le côté un peu plumping et le côté rond des lèvres, mais aussi travailler, effacer les petites ridules. Et là, on va utiliser le souffle. Enfin, le lèvre, et on va pincer nos lèvres et gonfler. Qu'est-ce que tu vois? Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Et là, on va mettre nos doigts. Donc, du coup, le yoga du visage, c'est beaucoup créer de la résistance. Et donc là, on va créer une force contraire et on va mettre nos doigts au-dessus. Donc, ça marche pour ouais. Le haut et le mentaliste, en haut et en bas. Parce qu'en fait, pour les gens qui ne savent pas, on a un muscle là. C'est orbiculari ori. C'est le muscle qui est autour de la bouche. Et là, on a le mentalis. Donc là, on va travailler le haut et on va gonfler et on va garder les doigts et on va gonfler contre nos doigts. Comme ça. D'accord. C'est pas grave s'il y a de l'air qui va en haut et en bas. Si on arrive à mettre que de l'air en haut, c'est très bien. Sinon, c'est pas grave. Et ça travaille aussi les petites rides nasolabiales ici. On est parti. On fait ça 6 fois. On place nos doigts. Et on est parti. 10, 9,
Un, et on relâche. Et dans cet exercice, on ne serre pas la mâchoire, on ne serre pas les dents, elles sont juste posées les unes, enfin le haut et le bas, l'une, juste posées, pardon, pour ne pas stresser justement et engager encore plus la mâchoire. On refait ça encore une fois. On Et place juste une la question, mâchoire. Oui. Aurélia. Du coup, on maintient la pression avec les doigts pour faire une vraie résistance. Voilà. On Ouais, essaye. d'accord. Après, les doigts peuvent bouger. L'idée, c'est pas de un, et on relâche. Si vous voyez de l'air, moi, tu vois, quand je fais ça et j'ai de l'air qui monte là, c'est pas grave, justement, ça masse aussi la ride, mais du coup, j'ai pas d'air. J'ai le mouvement de la lèvre qui veut, mais qui le fait pas, mais qui est quand même tendue. Donc, ça redessine et ça assouplit le sourire. Cool, hein. Et on sent que ça, effectivement, que ça vient travailler ici. Oui. À toi. Génial. Eh ben, justement, on va faire un petit geste pour venir travailler le nasogénien. Donc, cette ride là qui part des ailes du nez, qui fait le contour de la bouche et même qui peut en plus continuer vers le bas, Des ce qui n'est pas marionnettes. forcément. La règle des Exactement. marionnettes. Voilà. Voilà, pour là, on va venir la lisser. C'est très simple. On va utiliser la pulpe des doigts. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Si vous avez des ongles, voilà, c'est tout à fait possible. Il faut juste faire attention à pas crocheter en fait le doigt pour pas se griffer, mais c'est possible. Je sais qu'il y a des personnes hein, qui travaillent avec les ongles longs qui arrivent. C'est pas Ah, mon cas, moi, c'est un. Allez. Je mais. suis bluffée par les Mais je suis obsédée moi par les ongles courts, donc maintenant voilà, mais je sais que c'est possible, donc voilà, je vous montre d'un côté, mais on va pouvoir faire les deux en même temps. Donc moi j'aime bien prendre appui avec mon pouce, voilà, au niveau juste au-dessus de la tempe, en bas de la tempe, en haut de la pommette. Voilà, je vais y arriver. Et en fait, on va faire un mouvement comme ça, comme de petit piano, exactement. Oh, On va venir, et ça c'est bien. Alors ça c'est stylé, c'est classe. Alors, il faut détendre l'idée. Alors, je sais que ce n'est pas hyper joli. Il faut essayer de détendre. j'en suis plus à Mais. une vidéo où je fais la grimace, donc Voilà. C'est ça qui est bien. Et la seule chose qu'il faut faire attention, c'est pas trop remonter pour pas venir faire des plis, en fait, ici. On vient vraiment lisser. Voilà. L'idée, c'est que les doigts viennent, en fait, vraiment stretcher, lisser. Puisque, au contraire, en fait, en gros, si je caricature, ça fait comme ça. Hein, le pli, et là, nous, en fait, avec la main, on va faire l'inverse. Et donc, en plus, on va faire des deux côtés, ce qui fait que ça va éviter, en fait, de créer une. Et donc, c'est vraiment un piano. Donc, on peut même partir là, sur la partie basse aussi, si c'est votre cas. Si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas grave, vous allez faire de la prévention. Et donc, vraiment pianoter. On peut prendre son temps. L'idée, ce n'est pas forcément d'aller vite. De toute façon, c'est jamais la vitesse n'est pas un garant en fait du bon geste. Hein. Et de vraiment lifter. Donc ça, faut pas le faire trop longtemps parce qu'on peut vite mettre des tensions ici. dans les bras. Voilà, au niveau des bras, je vous ai fait faire un peu de sport. C'est dimanche matin, on se relâche pas. Moi, c'est dimanche soir, j'ai fait mon sport. Non, mais c'est vrai, C'est dimanche soir. on me dit souvent, même avec le yoga du visage, j'ai souvent les bras comme. Mais en fait, tu te rends compte que tu arrives à soulever les bras, mais en utilisant cette partie-là, et plus tes trapèzes. Et même ça, du Non. coup, ça. Les omoplates, en fait, de bien écarter les omoplates. Et comme tu dis, effectivement, normalement, c'est pas fatigant. Il faut juste faire attention de bien respirer, de ne pas remonter les trapèzes. Mais ça, vraiment, c'est tout simple. Et ça marche vraiment bien. Et Oh. voilà pour le petit piano. Voilà, Ok. on va être complètement lisse. Oh, et toute lisse. Alors, on va continuer. On va faire un exercice pour les joues, pour sculpter les joues, puisque justement ces petites rides nasolabiales viennent aussi du fait que avec l'âge, on perd du collagène, des acides, l'acide hyaluronique, et du coup le premier truc qui tombe en général, surtout si on avait des bonnes joues, ça tombe. Ok. Et donc après, bon. Et en plus, avec le téléphone et tout, c'est encore pire que tout. Donc là, on va faire un exercice qui va, on va s'occuper de travailler en fait cette partie-là, de sculpter. Alors, on va sourire
Et on va passer nos lèvres sur nos dents en dessous. Et essayer de montrer 8 dents ici. Donc déjà, ça doit commencer un peu à chauffer ici. Ouais, ici. Ouais. Et on va essayer de toucher notre nez avec notre langue. Essayez. Génial. Ah non, ça. Ah non. Je suis pas douée de la langue, mais arrivera. Voilà. Et on va là, essayer. Et... Et donc ça doit, là, ça, moi, ça tire énormément. Enfin, ça tire. Là, ça travaille le côté externe de la pommette, de la joue. Et ça remonte. OK? Voilà. Est-ce que tu sens? Moi, je sens carrément, c'est pour ça que je monte, parce que je ne peux pas Ouais. parler avec la langue. Mais effectivement, je le sens vachement ici. Exactement. Ah, Et pour aller un peu plus loin dans ce mouvement-là, on peut envoyer pour dire au cerveau qu'on travaille là, on peut tapoter avec nos doigts. trop Et bien. on reste 10 secondes. Okay. OK. On inspire, les épaules sont bien relâchées, pas de tension dans le front, dans les trapèzes. On sourit, on enroule ses dents en bas, on sort la langue et 10 secondes. Quatre. Et on relâche. Ferme les yeux juste pour sentir. Moi, cet exercice, c'est un des. Enfin, il est juste génial, mais il est hyper intense. Et mais ce que c'est que quand tu tapotes, justement, tu moi, enfin, je sens vraiment. Enfin, c'est pas le tapotement, mais j'ai l'impression que du coup, ça a beaucoup plus travaillé là. Ouais, C'est mais fou, parce que du coup, c'est juste envoie là au cerveau, genre là, c'est là, on s'occupe de là. On refait. hein. Ah ouais, grave. On inspire. Super. On sourit. On enroule. On essaye de montrer au moins 8 dents. Ça se trouve, c'est plus. Et on sort la langue. Et 10. 6. Et on relâche. OK. Génial. Voilà. Super. Bah, écoute, moi, j'ai envie de partager avec toi aussi un geste pour redéfinir la pommette. Parce que c'est clé, effectivement. Bah, moi, c'est ça, quand on aussi cherche, parfois, on s'obsède sur les rides, mais en fait, c'est remettre les volumes, en fait, aux bons endroits. C'est ça qui va être important. Donc là, un geste hyper facile. Donc, on maintient avec la tranche le côté du visage et on va utiliser le pouce. On va partir de l'aile du nez et en fait, tout simplement, on va mettre une bonne pression. On va redéfinir, on va longer l'os en fait. Donc, on va partir vraiment en dessous. En plus, là, il y a souvent pas mal de petites tensions qui viennent Ah en ouais, même temps. c'est ouf. Voilà. Et Oh. alors, ce qu'on va faire, juste le petit tips, c'est que quand on fait ça en fait, ça crée là des plis. C'est un peu dommage parce qu'on n'a pas envie d'avoir de nouveaux plis. Non. Donc, en fait, on ne veut pas. Donc, avec l'autre main, en fait, on va venir récupérer. Et donc, on va faire un petit, comme c'est un petit coup de balai, en fait. Hein. Donc, avec le pouce, on redéfinit. Et ça va aider. On n'hésite pas, en fait, à chercher à rehausser la pommette. Et vraiment, après, on récupère, on lisse, on lift les plis qui peuvent être causés. En plus, c'est pas mal. Voilà, ça travaille aussi, ça lift du coup tout le côté du visage. Et Et tu normalement, on sais sent que que ça. là, que tu Ouais. masses, il y a le méridien de l'estomac. Tout à Donc, fait, oui, je sais, oui. quand tu le masses, moi, je pense que ouais, ça doit bien masser, bien détendre. C'est ouf parce que ça détend le ventre aussi en même temps. Ouais, c'est très fréquent quand je masse cette zone où sur des clientes où automatiquement on entend souvent des gargouillis et voilà, les gens sont un peu gênés. Mais je leur dis non, au contraire, c'est très bien, c'est vraiment que la détente se fait et qu'il y a la connexion aussi qui opère bien. Donc on fait pareil de l'autre côté. Ah bon, donc on met une bonne pression avec, on redéfinit. Et en fait, on récupère Ah, ça fait trop du les bien. plis. Ça fait du bien et c'est vraiment efficace. Et je vous conseille aussi, enfin moi, ces genres de gestes, par exemple, bon bah voilà, quand j'ai des petites nuits, on a tendance à marquer aussi beaucoup, bah justement, nasogénien, etc. Et tout simplement ça rehausse. Là, on sent que normalement, ça chauffe un petit peu. Avec l'exercice d'avant, là, ça commence à bien chauffer, mais du coup, c'est Parfait. et voilà.
Trop bien. Alors, on continue. On va s'occuper de notre petite cerne. Alors, je vais faire deux exercices d'affilée qui sont complémentaires. Il y en a un, en fait, c'est un exercice. Bah, c'est comme si on allait faire des pompes ou des triceps avec nos paupières du bas. Donc, comme je disais, il y a, enfin, pour toi, tu sais, mais pour les autres, les yeux, c'est comme un peu le muscle autour de la bouche. C'est l'orbicularis oculi. Donc, c'est un muscle qui est comme ça. On peut pas, enfin, en général, quand on travaille, c'est tout l'os, tout le muscle d'un coup, tous les yeux d'un coup. Et donc, on va travailler dans un premier temps. Juste, on va essayer de drainer, enlever le côté creux ici qu'on a tous les yeux. Alors, ça peut être génétique, donc ça, j'ai pas trop de solutions. Mais on peut, pour les gens justement où c'est plus ou qui ont un peu du bleu sous les yeux. Ou vraiment c'est très creusé, ça peut venir aussi bah, d'une mauvaise détoxification et pas mal aussi de la lymphe. Donc en fait, on va faire deux Oui. exercices. Le premier, c'est on va placer nos doigts juste en dessous, comme ceci, au niveau des cernes, et délicatement, on va tirer vers le bas. Délicatement. On va tenir, en fait, quand tu descends, tu maintiens le muscle et la peau et tu descends. Mais c'est tu ne. Et là, Oui. tu vas de manière. Alors, soit on peut faire les deux yeux en même temps. Moi, j'arrive à faire les deux yeux, donc je sais pas si c'est plus ou moins facile. Tu vas me dire. On maintient et là, tu vas essayer de squeezer tes yeux comme si tu essayais de. Tu vois, juste en essayant d'utiliser la paupière du bas. Tu vois, là, J'ai c'est. l'impression que je tremble un peu. Et c'est J'ai là où, l'impression que en je tremble. fait, c'est là où on se rend compte que. Ah oui, tiens, ce muscle-là, qu'est-ce que c'est? On les découvre. Et tu vas voir que c'est. Donc, si on n'arrive pas à faire les deux côtés. On place un doigt en dessous et l'autre main par-dessus pour éviter, pour maintenir aussi les petites pattes doigts et Pardon. ne pas, voilà. On maintient et là, on essaye de squeezer un œil. Il faut J'ai vraiment que l'impression que je triche. c'est le bas qui se soulève, c'est pas le haut qui se ferme. Mais je sais que c'est un peu, faut pas être frustré parce que c'est, et tu vas petit à petit, c'est pour ça, en fait, le fait de mettre les doigts, de maintenir en haut et en bas. Voilà, bah, tu vois, petit à petit, on y arrive. Et ça, le fait d'aller bouger ce muscle-là, ça va drainer et ça va enlever le côté gonflement des yeux. Génial, mais c'est ouf la sensation. J'ai C'est l'impression d'avoir du sport ici, quoi. des petites Ok. pompes, mais c'est délicat. Hein. On est très, très doux. On ne s'arrache pas l'œil. On maintient juste. On maintient la peau ici et on squeeze. On fait ça 5 fois. 5. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Et on y arrive petit à petit. On essaye de deux côtés, parce que Allez, il me faut de l'entraînement de ce soir. on a toujours un côté qui est plus ou moins mobile. Hein. On maintient, on descend délicatement, et on squeeze pendant 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on relâche et là on va drainer avec notre index. On va partir du coin externe de l'œil, délicatement aller vers le coin interne, appuyer un tout petit peu plus pour soulever ici au niveau des sourcils et partir du point interne ici et lisser vers l'extérieur, monter jusqu'aux tempes et là drainer jusqu'aux clavicules. J'adore, On trop bien. refait encore. J'adore ce mouvement. En plus, le fait de drainer comme ça, c'est hyper apaisant. Et du coup, là, on a la lymphe hein, qui passe là. Et donc là, on l'enlève et on va jusque là. On peut même un peu pomper avec les ganglions qui sont là. On refait Tout à fait. extérieur et on lisse délicatement dans un premier temps. On appuie un tout petit peu plus ici. Donc ça ouvre aussi le regard. Et de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, on n'hésite pas à aller. Drainer les fluides. À toi. Génial, j'adore. Et ben, on peut rester sur les yeux et là, on va venir tout simplement lisser les pattes doigts. Donc, ces Ah, petites, ces fermeteries là. Voilà.
Donc là, on va être un petit peu plus bas que le mouvement que tu viens de, qu'on vient de faire avec toi. On va être en fait à la limite. Vous pouvez déjà essayer de tâter. On sent l'os orbiculaire du coup. On va rester dessus. On va pas être au-dessus sur l'œil hein, où c'est plus où la peau est plus fine. On va vraiment rester s'appuyer sur l'os. Donc moi, j'aime bien toujours prendre appui parce que ça me stabilise. Donc les coudes bien vers le bas comme ça, pas de tension. Je m'appuie sur mes pommettes et on va utiliser. Alors moi, j'aime bien utiliser les majeurs. Pour ce geste, parce que je vais mettre un peu de pression, mais c'est les doigts que vous voulez en fait, hein. Et on va rester donc au niveau de l'os, hein, et on va faire une petite pression quand même pour remonter, lifter, et on va vraiment lifter jusqu'aux cheveux. Hyper important pour justement essayer de pas bien lisser et pas créer. En fait, si je fais juste ça, on voit bien que là, je suis justement en train de créer un pli. Et donc, faut vraiment aller jusqu'aux tempes. Le tip, c'est de ne pas aller trop haut parce que sinon, là, je crée des plis au niveau du front. Donc, faut essayer de bien regarder, de faire un côté pour dire, voilà, je vais essayer de vraiment lifter. Alors, je précise que ça peut brider un peu l'œil. Brider l'œil, c'est pas du tout, ça crée pas une ride, c'est pas un problème, ça. C'est vraiment de ne pas faire des plis, en fait. Donc, vous pouvez faire qu'un côté. Et là, on peut vraiment venir lisser. Oh. Voilà, tu peux très bien alterner aussi, bien sûr. Vous pouvez aussi maintenir. Si vous voyez que ça crée trop de plis, tout simplement, Et on peut comme maintenir tu l'as fait tout ça à l'heure, on peut maintenir. Voilà. Et là, on met quand même une bonne pression. Ce qui est bien, c'est que ça vient lisser ses pattes de doigts vraiment efficacement. Et en plus, ça vient mettre un petit coup de blush en Oui. haut des pommettes. Ouais. Et voilà. Mais du coup, c'est pas mal parce que bon, ça fait un petit coup double aussi. Donc avant de sortir, ça peut être sympa. Ah, c'est hyper Voilà. agréable. Puis comme on a l'os qui est là, enfin, on peut vraiment appuyer et pas trop C'est ça. En mal. fait, c'est l'idée que pour ça, c'est vraiment important de s'appuyer sur l'os hein, et pas du tout au-dessus sur la partie molle où là, on peut faire du drainage, d'autres mouvements comme on a fait avant avec toi. Mais là, vraiment, on peut mettre une pression pour lisser la ride. Trop Your bien. turn. Ok, alors alors on continue, on va s'occuper de la ride de Lyon. Je crois que c'est une des questions qu'on reproche, la ride du Lion, la ride du Lion. Souvent, je dis Exactement. méditer, on respire, parce que c'est souvent la ride souvent. Et en fait, un des tips, moi, qui m'a beaucoup aidée, parce que comme je suis très expressive, je me souviens au téléphone souvent, ou quand tu t'écoutes quelqu'un, t'es comme ça. Et c'est vraiment le yoga du visage m'a aidé à me rendre compte que je faisais des choses dont je ne me rendais même pas compte. Donc, là, c'est déjà dans un premier temps d'être conscient, de relâcher. Alors, je vais te laisser faire les mouvements plus de détente après, mais c'est vrai qu'il y a l'exercice qu'on faisait là, celui-là déjà, pour détendre. Ah, trop bien. Et il y a un autre exercice où on est au milieu du front et on va lisser vers l'extérieur et maintenir. Alors, comme on a un peu d'huile là, ça va être peut-être un peu compliqué. Moi, c'est soit je mets mes paumes de main, j'aime bien mettre mes paumes de main comme ça parce que je peux déposer mes doigts et maintenir. Ah. Et comme ça, j'ai pas de tension, j'ai rien. Et là, donc, on maintient le frontalis qui, le frontalis est comme ça. Ouais, voilà. Et du coup, et là, on a un autre qui s'appelle le procérus. Donc, on peut soit aller focus que sur le procérus. Donc là, on va être juste comme ça et on va faire comme si, là, tu maintiens ici, tu mets un doigt. En fait, le procérus, on va le maintenir sur les côtés et comme ceci. Et là, tu D'accord. vas essayer de froncer. Normalement, tu ne peux pas vraiment. C'est toujours pareil. C'est, oui, c'est, et là, tu vas essayer de faire ce mouvement-là, sauf que là, tu maintiens. Donc là, on va détendre cette partie-là, on va l'engager, et du coup, on va générer un muscle qui va être plus rond, et on aura moins ces petites ridules-là. C'est, En fait, ouais, c'est une genre de rééducation, c'est génial ça. exactement. Ça me fait cette sensation-là, trop bien. Et puis, ça fait beaucoup de bien. Donc, ça, c'est le côté, on a fait tout de suite l'exercice qui est un peu plus dur, le procérus. Mais sinon, c'est, on met les mains là, on maintient, et là, pareil, on va essayer de froncer. Et on fait ça 10 fois. OK, on est parti, on inspire, on maintient bien la peau et le muscle, et on est parti. 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Et comme Cool.
En général, je combine cet exercice avec un autre exercice parce que souvent on te dit, toi de, enfin le frontalis, on a tendance à justement à faire comme ça. Et Oui. là, en fait, c'est d'aller avec nos poings, simplement d'aller ratisser un peu pour détendre, mais du haut vers le bas. Faut pas avoir Oui, peur parce que justement, on est toujours comme ça. Et là, c'est juste avec le poing comme ça. En plus, ça fait beaucoup de bien. Moi, je sais que ça me fait des frissons dans la tête. Parce qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses là et ça apaise énormément et ça enlève les maux de tête ou les migraines. Ou les... Et ça, ces deux ça exercices détend. sont Ouais, hyper. ça détend même au niveau des trapèzes et tout. Enfin, je Ouais. trouve qu'on se détend. Donc voilà. Hop. Super. À toi. Yes, j'ai vu passer une demande pour la paupière supérieure. Oui. Alors, moi, il y a deux choses que je fais. Mon préféré que je fais vraiment tous les jours est hyper simple. Et tu as fait un geste un peu similaire avant. Moi, j'utilise les deux doigts index majeur réunis. Et je pars. Ouais, voilà. C'est pour venir rehausser la paupière. En fait, je pars vraiment du haut du nez. On peut sentir des petites Ah. encoches. En plus, là, on va drainer aussi au niveau des sinus frontaux. Oh, Et je... en fait, on va venir sur l'arcade. Et après, le petit truc, c'est qu'on twist au niveau de la tempe. Hein. Je mets les doigts à plat et je lifte les tempes. Donc, voilà. Parce que si je fais juste comme ça, voilà, je crée encore des plis. Et. Donc là, vraiment, quand j'arrive au niveau de la tempe, je twiste et je remonte à plat. Et là, en plus, ça va ouvrir le regard. Voilà, c'est super. Ah ouais. Ça fait beaucoup de bien. Et ça, moi, j'adore le faire bah, le matin et le soir, après la journée, franchement. Ou même quand on a fait, bah, en plus, en ce moment, on est encore vachement sur les téléphones, réunions, Zoom et compagnie, à toutes les personnes qui télétravaillent entre deux, se faire ça 6 à 10 fois. Franchement, ça fait beaucoup Ah de ouais. bien et ça vient. En fait, on vient justement stimuler et rehausser la paupière supérieure, empêcher qu'elle s'affaisse. Tout simplement. Ah bah c'est hyper Combien de bon. fois? 6 à 10 fois. Voilà. Moi, je le fais au moins 6 fois tous les jours. C'est vraiment rapide. Et après, si vous êtes motivé, vous pouvez le faire 20 fois, ce n'est pas un problème, hein. Il n'y a pas de contre-indication. Alors, je vois passer la ride du lion. Bah, on vient de la faire, la ride du lion. après, il y en a évidemment, il y a plein d'autres exercices et qui sont adaptés à différentes morphologies en fait. Et pour justement pour travailler la paupière du haut qui est on me dit souvent tombante. Alors c'est un exercice qui s'appelle la chouette. Donc tu vas placer tes doigts, tu vas faire la chouette en fait hein, clairement comme ça. Donc ton pouce est en support au niveau de tes pommettes et ton index au niveau des sourcils. Tu inspires et tu viens tirer vers le haut. Tu maintiens. OK? Et là, il faut que tu sentes vraiment que ton œil est bien maintenu et tu vas essayer de fermer les yeux très fort, comme si tu avais un truc dans l'œil. Donc là, est-ce que tu sens que quand tu fermes l'œil, enfin du coup, c'est maintenu et tu fermes et la paupière, bah, du coup, elle s'engage contre ton doigt, tu vois? Ah mais j'adore, ça me lisse ici, ça me fait beaucoup de bien ici en fait. Moi, ça vient me détendre vraiment, surtout en haut d'ailleurs, pas Et tellement en bas, mais. donc là, on va la renforcer, on va la galber pour qu'elle justement, et le fait vraiment, faut pas hésiter à squeezer. Mais là, et donc on ne crée pas de rides ou quoi, puisqu'on maintient bien. Et là, on va fermer. Et on fait ça 10 fois. Et on essaye de bien garder son cou aligné avec ça. On essaie de ne pas amener sa tête comme ça. On est bien aligné. On maintient. Et on est parti 10 fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Donc ça permet d'ouvrir le visage, le regard, de Ah rainer, ouais. de renforcer cette partie-là. Carrément, je sens. J'ai l'impression d'avoir fait du sport. Ouais. Et après, bah, moi j'aime bien après cet exercice, toujours pareil, c'est du tapping un peu. C'est, je fais dans J'aime. un sens ou dans l'autre, peu importe, c'est juste vraiment. Et ça, c'est hyper bon aussi pour le cerveau, décontracter. Tout ce qui est aussi enfin les tensions qu'il y a autour des yeux la lumière bleue qui peut être aussi il y a d'autres exercices avec les yeux qui peuvent beaucoup déjà aider
Rien que de regarder à droite, à gauche, ça détend le nerf oculaire et ça dégonfle assez rapidement. Et ça, c'est super anti-cerne, tu sais, Ouais, aussi. Ça, c'est super pour justement toutes les personnes qui sont vraiment cernées au niveau. Bon, comme tu disais, si c'est génétique, on ne peut pas vraiment remédier, mais on peut quand même améliorer parce que là, en fait, on fait une petite pompe au niveau sanguin aussi et ça améliore vraiment les cernes en plus. Oui, et le dernier, justement, pour les cernes et pour les, je viens de voir passer un truc qui marche hyper bien, c'est de l'acupression. Donc, sur l'os, J'adore. vous trouvez le milieu de votre œil et sur l'os, tu vas chercher un trou. Parce que l'acupression, c'est toujours dans des trous. Et une fois que, donc, c'est un point d'acupression qui s'appelle rivière des larmes et qui Oui. permet de drainer, détoxifier. Une fois que tu le trouves, alors, on n'est pas tous, et enfin tout symétrique, mais c'est vraiment sur l'os, tu vas sentir un petit trou, c'est assez intuitif, faut le chercher, et il peut faire plus ou moins mal s'il est bloqué, parce que énergétiquement il est souvent bloqué, il y a des déchets sous les yeux, et c'est juste les liquides qui bougent pas quoi. Et là, le fait, tu appuies pendant 30 secondes, 40 secondes, tu peux même aller jusqu'à 2 minutes, à peu près 80% de force, et tu garde cette pression-là. Et petit à petit, ça va devenir de moins en moins. Tu peux faire aussi des petits cercles comme ceci. Et ça va drainer, sous les yeux, les cernes. Et ça va aussi enlever le côté, couleur qui peut être un peu prononcé. Et ça, c'est génial le lendemain de soirée. Ouais, ou Exactement. nuit. Et, oh, ou bien petite nuit parce que bébé a trop pleuré. Chacun ses. Chacun ses problèmes. Exactement. Nous Ouais, reste bah combien génial. de temps? Il nous reste 10 minutes. Bah écoute, moi je peux montrer un petit geste qu'on peut faire sur les rides du front, mais en fait un peu sur toutes les rides. Donc comme ça fait un peu global et un peu tonique. On va faire un geste de pincement. Alors, je précise, c'est un geste de pincement, mais on ne pince pas. C'est-à-dire, on ne vient pas tirer la peau. Oui. C'est vraiment, c'est l'intention, en fait. C'est ce geste-là. Donc, c'est comme pour pincer. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de penser qu'on va repulper les rides. Donc, si c'est pour travailler les rides horizontales, bon, moi, je lève les sourcils juste pour les repérer. Et après, je vais venir Et c'est comme travailler. ça et comme ça. Enfin, c'est vertical ou horizontal? Non, c'est effectivement, je mets mes doigts à l'horizontale. L'idée, c'est de contrarier la ride, c'est-à-dire de se mettre perpendiculaire. Je mets les doigts, par exemple, là, sur mes pieds des Ouais. mains. Je vais mettre mes doigts comme ça. Ok, d'accord. Je sais pas Ok, si d'accord. tu vois. Et donc, par contre, pour travailler celle du lion, je vais mettre mes doigts aussi. Voilà. Ah. Donc, selon ce que tu travailles, donc là, tu peux travailler effectivement comme ça. Et donc, vraiment, l'idée, c'est juste de venir. Donc, c'est pas un pincement. C'est vraiment, faut vraiment penser de se dire comme si tu voulais venir repulper. Et en fait, quand on fait ça, on fait une stimulation vraiment sur la ride. En fait, on envoie un message à la peau. On lui demande de reproduire plus de collagène, plus d'acide hyaluronique, de se régénérer plus vite. Et donc, voilà, c'est vraiment ça. De toute façon, l'automassage, c'est ça, c'est un message qu'on envoie à la peau. Et on peut le faire, bien sûr. Moi, par exemple, je suis très marquée du nasogénien, donc on peut le faire là. On peut le faire pour repulper un peu les lèvres avant d'un petit coup de rouge à lèvres aussi. Moi, Tac-tac. souvent, genre, comme je me maquille pas trop, mon blush, c'était ça. Bah ouais, mais c'est ça. Ouais, non, mais moi, très bien. Moi, c'est ce que je fais aussi. Et c'est très bien. Et on peut vraiment le faire partout. Surtout si on a une période où, je ne sais pas, il y a des jours où on se lève, on a la peau complètement atone. Voilà. Et ben là, on peut vraiment le faire même sur tout le long du visage. En fait, on. Et aussi, non? Et les rides, bien sûr, les plis du cou, très très bien aussi. C'est bien d'être. Alors là, devant l'écran, moi, en toute honnêteté, je ne repère pas exactement où sont mes plis parce que je vois pas assez bien. Mais devant le miroir, on peut vraiment repérer et être vraiment pile dessus. C'est top. Après, c'est top vraiment pour toute la peau parce que on va, voilà, vraiment stimuler la peau, lui demander de C'est se hyper agréable. régénérer. En plus, ça fait beaucoup de bien et c'est tonique. Ça, on ressent tout de suite quand on s'arrête, on sent qu'il y a un petit fourmillement. Voilà, c'est la micro-circulation qui est bien en route. Voilà, petit geste tonique et global.
Moi, j'aime bien terminer les sessions par un exercice qui s'appelle Wow, qui détoxifie tout le visage et qui booste énormément. Et donc, c'est ne pas hésiter à vocaliser. Donc, après le hi-hi-hi, on va faire waouh, 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 sans engager les muscles du front. Et Ok, donc on peut maintenir. en faisant tomber le bas de la mâchoire. Ah, waouh, waouh, waouh. Et toi, ça va, tu vas sentir, en fait, énergétiquement, il y a tout ton visage qui va se réveiller. Donc, franchement, s'il y a, moi, si je devais faire un exercice par jour, ça serait celui-là. Alors, tu peux mettre ta main sur ton front si tu as peur de l'engager, mais je pense que ça dépend de la conscience que tu as de tes réflexes, des tics qu'on peut avoir. Et on le fait plusieurs fois. Et on va faire ça 3 fois, on va le faire 5 fois, OK? Les épaules sont bien Okay. enroulées en arrière, le dos est bien droit, les abdos sont un peu engagés. On inspire et on est parti. Waouh, Wow, waouh, waouh. Une fois. Waouh, 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 2 fois. Waouh, 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 3 fois. Waouh, 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 4 fois. Waouh, waouh, 5 fois. Et on ferme les yeux et juste on observe ce qui se passe. Moi, en général, ça me fait un peu des frissons dans la nuque et ça réveille et je sens que limite j'ai envie de bâiller et c'est génial. C'est vraiment hyper bien de bâiller, ça veut dire que tout se réveille. On refait, et voilà. On refait ça encore une fois. On inspire. Et on est parti. Waouh, 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 4 fois. Waouh, on étire les bras vers le ciel. Ouf, on écarte ses bras de chaque côté. On peut faire des demi-cercles en avant et en arrière, tout en étant très délicat et délicate. Ouf. Génial. J'adore. Je vais faire waouh tous les jours. Non, mais en plus, ça fait du bien. C'est comme sourire, tu vois. Souvent, c'est ce que je dis souvent, c'est que tu peux pas, même si t'as pas, tu te réveilles, tu es de mauvais poil. Fais ta séance de yoga du visage, juste pas parce que pas pour ton visage, mais juste pour ton mindset. Ça te booste. Et comme tu fais des grimaces, bah c'est tu peux pas être de mauvais poil après. C'est pas possible, hein, je suis d'accord. Bah, c'est génial. Merci Et à ben, toi. C'était franchement, j'ai appris plein de. C'est trop bien ces petites techniques qui n'ont l'air de. Enfin, où tu te dis bah ah oh oui tiens, bah en fait c'est tellement simple. Mais qu'on n'y pense c'est pas l'idée. et les effets sont. Moi, je sens ma peau là qui est chaude. Et tu vois, je regardais, j'avais pas mal de cernes sous les yeux là de je ne sais quoi. Et là, j'ai plus. Ça a drainé, Ouais, donc c'est super. Non, mais non, merci à toi, j'adore. Écoute, c'était une découverte vraiment pour moi, tu vois, à part, j'avais suivi tes tutos, donc j'avais vu deux, trois exercices, mais vraiment génial. Je pense que je vais justement m'y mettre. J'ai vu en plus que tu faisais des packs, donc. Oui, bah oui, pour la fête des mères, tu peux acheter, enfin vous pouvez acheter un le t'as un t'achètes le Tiny Face et tu as le Lift Me Up qui est complémentaire. Le Lift Me Up, ça travaille beaucoup bah, cet axe-là qui est Ouais. important de soulever, remonter les pommettes, remonter le coin des yeux et remonter le coin des lèvres. Voilà. Et en ce moment, je le redis, j'ai tous les bénéfices, enfin 50% sur tous les packages vendus sont reversés à une association Symbiose qui s'occupe d'accompagner les femmes qui traversent cette épreuve douloureuse du cancer du sein. Et c'est un projet qui me tient énormément à cœur et c'est jusqu'au 7 juin, 50% des bénéfices sont reversés. Donc, faites un cadeau et vous ferez une bonne action. Donc, Bah, écoute, en tout cas, moi, je trouve ça super. voilà. C'est un vraiment très beau projet. J'en profite, non, mais comme on ne s'est pas vu, pour te dire que c'est vraiment, moi, je trouve ça une très belle initiative. C'est vraiment super. Donc, j'encourage les gens, du coup, bah, justement, je trouve ça très bien de faire un cadeau et en même temps de soutenir cet asso. Et ça Et tient puis, plus bah, moi, que les cœurs. exactement. Et puis, franchement, ça fait plaisir. C'est d'offrir du bien-être.
Voilà, c'est aussi de l'amour de soi, c'est une manière aussi de développer l'amour pour soi, de prendre soin de soi. Moi, je vous dis juste que n'hésitez pas aussi, parce qu'on l'a fait pendant la période de confinement, mais ça continue pour les personnes qui veulent avoir une séance personnalisée en visio d'automassage. C'est encore disponible sur Simone. Faut simplement prendre rendez-vous ou bien sûr maintenant les soins à domicile Non, directement mais quel pour kiff! bénéficier. Quel kiff! Mais Oui, imagine, moi, si j'avais Simone en Australie, mais j'aurais beaucoup de Simone à la maison, je vous le ben, quand tu viens, avec grand plaisir. Bah, merci en tous les cas, c'était un plaisir de te recevoir du coup chez. Mais oui, mais N'hésitez merci. pas et n'hésitez pas à aller voir justement les Simone et vous faire plaisir parce que c'est important de se faire du bien. Et voilà, moi je vous dis à très vite. Merci Violaine, merci Simone Merci Bessia. Aurélia. Et Bonne prenez soin journée. de vous. Ciao.